fais partie du groupe Consommé. L'objectif de cette session était de revenir sur les réformes que nous avions réfléchies en session 4 pour vraiment plus aller en profondeur et pour finaliser finalement chacune de ces réformes. Chaque groupe a donc édité un pitch, le système de pitch qui nous a permis de pouvoir comprendre chaque mesure, chaque réforme auquel ils pensaient. On a réussi à apporter en fait un questionnement, une vision extérieure. Il va y avoir toutes les questions qui vont être centralisées afin de pouvoir constater si c'est suffisamment clair, si la réforme a besoin d'être encore un petit peu modifiée. C'est un regard extérieur de chaque groupe qui fait que tous les groupes vont pouvoir avancer ensemble. On a eu 3 intervenants. On a eu Citeo qui était présent. On a eu le président de Danone qui était là également sur le groupe Consommé. Et le dernier acteur, c'était une personne qui représentait l'Association des maires de France. On a appris beaucoup de choses et ce qui était intéressant, c'est que nous avions les armes nécessaires pour pouvoir réellement répondre face à ces personnes-là. Et lorsqu'ils mettaient en avant certains points, on pouvait vraiment jouer à jeu égal et c'était très intéressant. Moi, je suis sur une mesure bien concrète sur laquelle je travaille depuis 2 sessions d'affilée. Donc c'est la mesure du vrac et de la mise en place des consignes. Pour moi, l'importance est fondamentale parce que aujourd'hui, tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui va pouvoir éviter de la création de plastique pour remplacer par du verre, quelque chose qui sera réutilisable, lavable, c'est à mon sens plus vertueux. Je compte bien effectivement qu'il y ait une suite peut-être plutôt européenne, que l'on puisse reproduire peut-être une prochaine convention citoyenne, peut-être même sur le même sujet avec dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 2 ans, peut-être, je ne sais pas trop quelle date, qu'ils aient effectivement la possibilité d'aller peut-être même plus loin que nous.